Alors l'offre que je propose, ce sont des photographies qui sont produites à partir d'un tableau que j'ai fait. Et donc je peignais des fragments de peinture sur des petits panneaux de bois. Je faisais la photographie au moyen format. Et cette photographie a ensuite été tirée en grand format, encadrée avec un bout de bois qui pouvait éventuellement être un peu le fantôme du châssis, en tout cas qui donnait une épaisseur à la photographie pour lui donner une caractéristique, disons, de tableau. Et l'œuvre originale était jetée de telle sorte que je retirais un peu le tapis sous les pieds du collectionneur, ou en tout cas de celui qui voulait en faire quelque chose d'unique, de spécial, etc. Et l'œuvre ne restait que la photographie. Et donc c'était des séries assez longues, hein. J'ai fait une centaine de peintures, avec une variation sur la peinture moderne notamment. Je ne peignais pas vraiment. Je mettais une sorte de dispositif conceptuel entre la peinture et moi. Et des fois, tout simplement, le public ne voyait pas que c'était des photographies. Et il y a un scientifique qui a décrit la façon dont le gène se reproduit et la façon dont justement le vivant a une histoire génétique avec des formes qui se reproduisent. Le gène étant le code de la forme du vivant. Et la culture humaine pouvait elle-même être regardée par petites séquences, par duplication, par imitation tout simplement. Et cette reproduction génétique par imitation est intéressante dans la vie des formes artistiques aussi. Je me sens concerné par ce qui se passe dans la société, je suis la politique, je lis les journaux, etc. Et je crains le solipsisme, je crains une certaine isolation de l'art dans sa tour d'ivoire et tout. J'aurais tendance à dire oui, en effet, mon art parle d'art, c'est un art un peu tautologique qui s'intéresse à ses dispositifs, à son fonctionnement, à son histoire, etc. Mais en réalité, je pense qu'il est bien plus ouvert que ça. La peinture a une histoire qui est multimillénaire et à la fois elle est entièrement comprise dans des questions contemporaines. La série des pièces de monnaie, c'est une série qui s'est beaucoup intéressée à la fabrication de la valeur, à la comédie de la valeur, la façon dont on spécule par exemple et tout. Donc on est typiquement dans une question extrêmement contemporaine, la spéculation, les bulles financières et tout, qui concerne l'art et qui concerne la société en général. Mais j'en parle, j'aborde la question en peignant des pièces antiques. Si je peins de l'argent, je peux peindre quelque chose qui représente tout, puisque soi-disant, c'est une représentation universelle, c'est-à-dire qu'on peut tout transformer en argent. Une des premières choses qui m'a poussé vers l'art, c'est la liberté. C'est-à-dire, je suis pour essayer d'éviter au maximum tous les dogmes, toutes les habitudes, tous les académismes qui vont vous pousser un peu dans une ornière un peu stérile. Alors que partant tout azimut, c'est très mauvais pour la carrière, puisqu'en effet, c'est difficile de reconnaître un Julien Bouillon. C'est difficile d'être identifié sur un marché qui est très segmenté, avec vraiment des systèmes d'identification très courts, type logo ou type statement. Mais par contre, c'est absolument nécessaire politiquement d'être pluriel. Pour moi, c'était absolument essentiel et ça ne pouvait pas être autrement. Je parlais tout à l'heure de l'introduction d'un protocole conceptuel pour mettre encore à distance la peinture. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est comment faire un art brut, comment faire un art entièrement spontané d'une certaine manière, alors qu'on est, justement, on est passé par une école d'art, on a une certaine connaissance de l'art et tout, comme c'est mon cas. Et du coup, là, je fais de l'art brut. Et c'est plutôt chouette, je simule un peu la spontanéité. Et dans les travaux très récents que j'ai faits, il y a ces questions-là de questionner un peu l'artiste comme médium, c'est-à-dire au fond, il a une certaine neutralité, mais il est un peu comme une antenne. Le monde de l'art fonctionne énormément en réseau, et le marché aussi par ailleurs, et justement, il n'y a pas de solitude, il n'y a que des réseaux mouvants, quoi. Ce que je voulais, c'était faire des sortes de prototypes qui n'auraient jamais abouti. Parce que, ils ont des particularités inadaptées justement au marché. Dans le téléphone aussi, il y a les matières rares, les terres rares, le coltan, toutes ces choses-là qui sont en fait des producteurs de guerre. Donc finalement, ces affaires de téléphone, ces dispositifs techniques qui nous rapprochent, qui facilitent nos relations, sont aussi
le support d'enjeux militaires et politiques très importants. Et du coup, j'ai glissé de ces prototypes avortés à des téléphones qui sont des petites peintures de guerre, d'une certaine manière, c'est-à-dire où les motifs sont des motifs camouflage mixés. Si je devais me spécialiser, ce serait me spécialiser dans la non-spécialisation, c'est-à-dire éviter toute spécialité. Donc apprendre des techniques, une sorte comme ça d'approche très très universelle et très très plurielle. Mon idée de la vidéo, c'était de ne pas enregistrer, de ne rien capter avec un capteur, de tout produire sur un base logiciel, c'est-à-dire que les vidéos sortent, j'ai envie de dire, ex nihilo de l'ordinateur. Je lance en même temps de la musique et je lance le logiciel qui enregistre à la fois la musique et l'image sur l'écran. Et en fait, les trois logiciels sont trop demandeurs en mémoire pour l'ordinateur, ce qui fait qu'ils buguent un peu. Mais du fait du bug, il y a une synchronisation entre le son et l'image. Et ça, ça m'intéressait, c'est-à-dire l'introduction du bug produit une interaction entre le son et l'image. Je veux rester et je tiens à me maintenir du côté du champ de l'art visuel. Donc à faire des choses qui sont séduisantes aussi, des choses qui sont belles, des choses qui sont faites pour l'œil. Ça me semble important d'entretenir une relation à l'art qui serait une relation de proximité, de facilité. Que quelqu'un qui voit ce que je fais se dise « c'est possible de le faire ». Qu'on ne soit pas dans une espèce de puissance de domination faite par l'argent, avec de la production, où il y a des millions de dollars qui sont investis dans une œuvre qui vous domine du point de vue de la technique, du point de vue des moyens, etc. Juste une œuvre modeste qui permet d'être le support de la réflexion, de la discussion, des questions, des idées.